regarde les trois paraboles, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils prodigue, à chaque fois, il y a cette morale qui vient et dit « Réjouissez-vous car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue, réjouissez-vous car j'ai retrouvé la drachme perdue, réjouissez-vous car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il était retrouvé. » Et dans ce texte, quand on parle de perdu, le texte original a vraiment un sens profond. Perdu dans ce texte veut dire, vient du grec apolumi, qui veut dire détruit, qui veut dire démolir entièrement, aboli, mettre en ruine, tuer, périr. Waouh ! Et c'est ce que ce texte dit. Jésus est venu retrouver ce qui a été détruit, ce qui a été perdu, ce qui a été démoli, ce qui a été mis en ruine. Il est venu retrouver ce qui a été perdu comme cela. Parce que quand on parle de perdu, on ne connaît pas forcément la destination. On ne sait pas ce qu'on a perdu a été détruit. On ne sait pas ce qu'on a perdu a été retrouvé par quelqu'un. On sait que la chose ou ce qu'on avait en nous est perdu, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Et là, ce texte nous dit, il y a une destination, ce que tu perds est détruit. Et ça, c'est fort. Et dans nos vies, nous vivons aussi des moments d'apolumie, des moments où on croit que tout ce qu'on avait est perdu, détruit. Et des fois, ça passe aussi par notre vie spirituelle, parce que nous sommes accablés, pris par le péché et qu'on se retrouve au plus bas. Et que là, on revient devant la face de Dieu, on lui demande pardon et... Plus tard, après, on repêche encore et on se dit, Seigneur, est-ce que je vais y arriver ? Je me sens comme détruit, Seigneur. Je me sens comme perdu devant toi, Seigneur, et pourtant, je veux y arriver. Et des fois, il y a d'autres moments d'apolumie. Lorsque nous avons vécu des choses dans notre enfance, lorsque il y a des abus que nous avons vécu dans notre enfance, lorsque nous subissons des violences, lorsque nous subissons des choses sur notre vie même, et que pour nous, ce que nous avons vécu, tout est perdu. On se dit, il n'y a plus d'espoir de retrouver cela. Et des fois, c'est même dans des violences vraiment atroces. Lorsqu'il y a un viol, on se dit, mais Seigneur, on m'a sali, Seigneur, et je ne peux plus retrouver ce que j'ai perdu. Mais Dieu dit, ce matin, qu'il est celui qui est capable de te faire retrouver cela. Il est le Dieu de l'espérance. Il y a deux ou trois semaines de cela, nous étions au week-end Jap, et alors qu'on vivait un moment intense dans la présence de Dieu le dimanche matin, une jeune fille reçoit une parole précise pour plusieurs jeunes filles dans la salle, qui dit qu'il y a des jeunes filles qui ont été abusées sexuellement quand elles étaient petites, qui ont été violées, et que le Seigneur veut les restaurer. Et on a vu beaucoup de jeunes filles s'avancer et pleurer. Et ces jeunes filles-là étaient venues et avaient, vraiment, je pense, dans leur cœur, se sont dit, « Mais je dois vivre avec cela. » Mais là, le Seigneur était en train de leur dire, « Non, tu ne dois pas vivre avec cela, mais tu dois recommencer, parce que je t'emmène une espérance. Je te permets de retrouver ce que tu as perdu. » Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire au travers de ce texte-là. Le mot « apolumi » est vraiment fort dans ce sens-là, où Dieu, dans son amour, dans sa patience, dans son pardon, vient à notre rencontre et nous dit « tout n'est pas perdu ». Parce que Dieu, il est celui qui est le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. Dieu est celui qui guérit le cœur brisé et qui panse les blessures. On ne se rend pas compte de ces paroles fortes que le Seigneur nous donne, de ces promesses. Mais cette promesse est pour vous ce matin. Peut-être tu es venu avec un cœur triste. Peut-être ça fait des années que tu subis quelque chose. Ça fait des années où tu as perdu ton espoir, ton espérance. Peut-être dans l'Église, peut-être dans les chrétiens, peut-être dans les pasteurs, peut-être dans la foi en Dieu. Sache que tout n'est pas perdu. Peu importe ce que tu as vécu. Peu importe le point de non-retour que quoi toi tu juges être, là où tu juges être, Dieu est capable de te donner la vie. Dieu est capable d'agir dans ta vie. Tout n'est pas réellement perdu. Lorsqu'on lit les trois paraboles, on peut voir tout d'abord dans la parabole de la brebis perdue, c'est que
il y a 100 brebis. Le berger laisse 99 de ses brebis pour aller à la recherche de la brebis perdue. Quand on lit cette parabole, on peut se dire, mais il est peut-être un peu fou de croire encore que sa brebis est encore vivante. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des troupeaux, il n'y avait pas loin aussi des prédateurs. Il y avait des loups. Et je regardais j'ai fait des recherches et j'ai pu voir que les loups attaquaient quand leur proie était seule, faible, mise à l'écart. Et les loups pouvaient tenir longtemps en surveillant une proie sans attaquer. Et dès que la proie est vraiment seule, faible, et c'est là qu'il va attaquer. Et lorsqu'on voit ce texte, on se dit, mais il s'est peut-être rendu compte de la perte de sa brebis le soir, lorsqu'il devait ramener son troupeau chez lui. Et là, il décide d'aller quand même chercher la brebis qui est perdue. Il n'y avait plus d'espoir, vous vous rendez compte ? Mais il décide quand même d'aller chercher la brebis qui est perdue. On a aussi l'exemple de cette drachme perdue. L'archéologie nous montre qu'à l'époque, le sol était fait de pierres qui étaient mal ajustées. Et couramment et souvent, les personnes perdaient leurs pièces. La drachme, c'est une pièce qui représente environ un jour de salaire, si je ne me trompe pas. Oui, une journée de salaire à l'époque. Et cette histoire nous dit que cette femme va perdre une drachme sur 10. Alors qu'elle se rend compte que sa drachme est perdue, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met à rechercher sa drachme. Alors qu'elle aurait pu dire comme ça, mais j'ai 9 drachmes encore. Et je peux encore vivre, parce que si elle a 10 drachmes chez elle, c'est que cette personne a les moyens. Mais cette personne ne va pas s'arrêter à cela, elle va chercher le moyen pour retrouver sa pièce. Et à l'époque, on nous dit que pour rechercher une pièce qui était perdue entre les pierres qui étaient mal ajustées, qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait un balai et il prenait une lampe. La lampe pour allumer, pour regarder ce qu'il balayait, et le balai pour passer entre ces pierres-là. Parce qu'en passant le balai, la pièce va sonner contre les pierres. Et c'est là qu'ils vont se dire, « Ah, je sais exactement où est la pièce qui est perdue. » Et quand on regarde cet exemple-là, on se dit, « Mais waouh, cette femme est allée jusqu'au bout pour retrouver une pièce. » Et non seulement est allée jusqu'au bout, mais elle a dépensé de l'argent pour retrouver une pièce. Elle a allumé une lampe, elle a usé de l'huile. Et le texte nous dit aussi que d'ailleurs qu'elle a appelé ses amis, elle a fait une fête parce qu'elle a retrouvé sa drachme perdue. Alors je me dis, mais à quoi bon rechercher une drachme pour dépenser de l'argent derrière ? Vous rendez compte ce raisonnement ? Mais cette femme était tellement attachée à cela qu'elle ne voulait pas perdre sa drachme. Là, on voit aussi l'autre exemple du fils prodigue. Le fils prodigue, c'est un fils cadet qui demande son héritage à son père. Là aussi, tout pouvait sembler perdu pour lui, il n'y avait pas d'espoir. Parce qu'à l'époque, lorsqu'un fils vient voir son père qui est encore vivant et lui demande son héritage, c'est comme si que le fils va voir son père et lui dit « Je souhaite que tu meurs. » C'est fort. Et le père, dans cette condition, pouvait dire comme ça, « Mon fils, je te renie. Je te renie. » Et les historiens disaient qu'à l'époque, c'était courant que les jeunes de Judée partent dans des nations étrangères pour essayer de faire fortune. Et souvent, ils utilisaient cette méthode-là en disant à leur père, à leurs parents, de prendre la part qui leur revenait. Ça pouvait se faire à l'époque, mais il fallait qu'ils attendent que le père ou les parents meurent avant d'obtenir l'argent. Et là, le père n'est pas mort, il demande de l'argent. Ce jeune homme part, et quand il part, il est assuré que s'il part comme cela, il ne reviendra pas, parce qu'il a perdu l'estime de son père. Parce qu'il a fait, c'est vraiment abominable à l'époque. Souhaiter la mort de son père par ce moyen-là, c'est vraiment fort. Et quand il part, pour lui, tout est perdu. Et s'il perd sa fortune, ce jeune homme, c'est fini pour lui. Il ne peut plus revenir dans sa famille. Mais est-ce que c'est l'histoire du fils prodigue ? Est-ce qu'il a dit comme ça, non, ben,
c'est bon, c'est mort, je suis condamné à vivre loin. Le texte nous dit que son père l'a aimé. Le texte nous dit que son père l'a accueilli. Le texte nous dit que son père l'a pris dans ses bras et l'a rétabli dans son statut de fils. Alors que pour lui, ce jeune homme, tout était perdu, il y a encore de l'espoir. J'aimerais vous dire, même si les gens vous disent que c'est perdu, c'est fini, il y a encore de l'espoir. Même si les situations, même si tout ce qui est devant vous, de toute évidence, vous dit que c'est fini, il y a encore de l'espoir. Et lorsque Jésus prend ces trois exemples-là, c'est vraiment pour nous dire que ce n'est pas seulement dans notre salut, mais tout ce qui nous concerne. Si c'est perdu, en Jésus, nous avons la capacité de retrouver. Parce qu'il est le Dieu de l'espérance. Et quand on voit ces trois exemples, ils ont fait leur part. Le berger est allé chercher sa brebis. La femme est partie à la recherche de sa drague. Et le fils a fait l'effort de revenir vers son père pour être restauré. Pour retrouver ce que nous avons perdu, nous aussi, nous avons notre part. Et là, c'est vraiment l'histoire du fils prodigue qui va nous le dire. Jésus n'a pas choisi ces trois exemples par hasard. Il est vraiment capable d'intervenir dans tous les domaines de notre vie. La première chose que nous devons savoir lorsque nous voulons retrouver ce que nous avons perdu, c'est d'accepter nos erreurs. Et même, j'irai plus loin, accepter les erreurs des autres. C'est pas facile. Ésaïe 43, 18 dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je pense que, et c'est mon avis personnel, chaque personnage des paraboles ont commis des erreurs. Le berger a sans doute pas assez surveillé sa brebis. La femme a sans doute déposé sa pièce n'importe comment sans faire attention là où elle l'a mis. Le fils a trop compté sur ses ambitions sans pour autant voir derrière ce qui allait arriver. Ils ont commis forcément des erreurs. Mais est-ce qu'ils sont restés sur leurs erreurs? Notre première action à nous, enfants de Dieu, c'est d'aller plus loin que nos erreurs. Accepter nos erreurs ou accepter les erreurs des autres, ce n'est pas cautionner. Mais c'est dire, oui, ça m'est arrivé. Oui, j'ai subi des choses. Oui, parce que j'ai fait le mauvais choix, maintenant je subis cela. Oui, parce que les autres m'ont fait du mal, je subis cela. Mais tu n'es pas appelé à subir cela toute ta vie. Accepter, c'est dire, oui, c'est arrivé. Maintenant, il faut que j'avance. Et ça, c'est vraiment un défi pour chacun d'entre nous. Accepter, ce n'est pas minimiser ou accorder du crédit à ses erreurs, mais accepter que cela s'est produit pour mieux avancer. Et une des raisons de nos blocages, c'est notre refus d'accepter que nous avons mal fait ou que nous avons subi des erreurs de la part des autres. Et là, c'est une décision personnelle qui nous pousse à regarder nos erreurs ou les erreurs des autres en face et à rechercher une solution, à rechercher une guérison, à rechercher un pardon. Et c'est pour cela que Jésus insiste sur le fait que chaque personnage se met en action pour retrouver ce qui a été perdu. Et il y a un défi pour chacun de nous ce matin. Accepter que nos erreurs ou les erreurs des autres ne produisent pas en nous un état de mort spirituelle. Je suis en tant que seul, amen. Je répète. Il y a un défi pour chacun de nous, c'est d'accepter que nos erreurs ou les erreurs des autres ne produisent pas en nous un état de mort spirituelle. Trop souvent, on se compare trop à cette brebis faible, etc. Dieu ne nous voit pas comme une brebis faible. On dit souvent chrétien, mais pas crétin. D'accord ? C'est se dire aussi que derrière, on n'est pas obligé de tout subir, comme ça, sans rien dire. Nous devons avancer. Nous avons un Dieu de victoire. Nous avons un Dieu capable de nous faire aller plus loin. Mais bien aimé, si
pour toi, tout est perdu. Dieu te dit ce matin, accepte ce que tu as commis comme erreur, accepte qu'on t'a fait du mal pour que je puisse commencer une œuvre de guérison dans ta vie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de reconnaître son état. Le Proverbe 29, verset 23 dit ceci, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Lorsque le fils prodigue est dans son état, il est au plus bas, il ne reconnaît pas tout de suite son état. Il subit la perte de sa fortune, il subit la famine, et son premier réflexe, c'est quoi ? C'est s'en sortir tout seul. Et là, il se met à rechercher un travail. Rappelez-vous, à ce moment-là, il ne pensait pas revenir chez lui parce qu'il croit que son père l'a vraiment renié. Là, il cherche un moyen de s'en sortir. Et il se met à travailler, il se met à travailler dans une porcherie. Et il avait tellement faim qu'il voulait se nourrir des carouches qui étaient là, mais les porcs ne voulaient même pas lui en donner. Il y a des rabbins qui disent qu'à chaque fois que le peuple d'Israël était dans un état de repentance, c'est quand ils se sont mis à manger des carouches. Et souvent, lorsque nous sommes au plus bas, c'est là qu'on se rend compte de notre état. Et cet homme-là, ce n'est pas tout de suite qu'il s'est rendu compte de son état parce qu'il a cherché ses propres solutions. Et lorsque nous sommes là, dans cet aspect-là, quand nous perdons, notre premier secours, ce n'est pas forcément le Seigneur. Le Seigneur, souvent, c'est le plan B. Des fois, c'est le plan Z. N'est-ce pas ? Quand on a épuisé tous les recours, toutes les solutions autour de nous, la famille, les amis, les prêts, etc., etc., là, on se dit, mais il n'y a plus de solution, mais il y a Dieu. Mais ça ne doit pas être notre réflexe. Dieu doit être notre premier réflexe. Dieu doit être notre premier réflexe, même si nous sommes au plus bas. Parce que Dieu désire nous restaurer. Et ce jeune homme-là, l'orgueil l'a poussé à rester dans son état. Et Dieu nous demande vraiment à ne plus regarder à nos forces, à ce que l'on peut déployer pour trouver des solutions, mais à compter sur lui. Et ce texte est fort, on dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Plus nous allons rester fermés, enfermés dans notre orgueil, et plus nous allons être abaissés. Et nous n'allons pas trouver de solution. Et Luc 15, verset 17, dit ceci, « Cet homme, étant rentré en lui-même, se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. » C'est seulement à ce moment-là qu'il reconnaît son état. Il fallait pour cela qu'il abandonne son orgueil. Il fallait pour cela qu'il voit qu'il n'y a plus d'espoir. Et là, il se remet à revoir son état, à dire, « Seigneur, c'est vrai, chez mon père, même les mercenaires, même les serviteurs ont à manger. Moi, je suis là en train de mourir. Seigneur, la source, la solution pour moi, c'est de retourner vers mon père. » Et lorsque nous sommes au plus bas, nous devons avoir ce réflexe disant, « Seigneur, alors que tout va mal, ma solution, c'est de retourner vers toi, Seigneur, parce que toi, tu ne me rejetteras pas. » Et derrière va suivre une autre étape, c'est la repentance. Et là, ce jeune homme dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il fallait que ce jeune homme passe par cette étape d'humiliation pour se rappeler de son père, pour se rappeler de l'amour de son père envers lui et envers ses serviteurs. Alors que ce jeune homme est parti la tête haute en se disant comme ça, « Mon père, il ne sait pas ce qu'il dit, il est vieillot, moi je sais que la fortune est là-bas, je vais y aller. » Et il part la tête haute. Alors qu'il part la tête haute, il revient la tête basse. Et là, il se met à réfléchir. Il se disait, je vais vers mon père, je vais lui dire, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je t'ai vraiment fait du mal. J'ai pris ma part. C'est comme si je te disais que je souhaitais ta mort. Je ne peux plus être appelé ton fils. Vraiment, traite-moi comme l'un de tes mercenaires parce que je sais que tu vas aimer tes mercenaires. Et alors qu'il a cet état d'esprit de repentance,
il y a un travail qui se fait dans son cœur. Alors il se dit, je vais revenir avant mon père parce que je sais que la solution est là-bas. La Bible nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin qu'un temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Il y a vraiment un bienfait dans la repentance. C'est ce temps de rafraîchissement. N'ayez pas peur de vous repentir. Dieu veut vous donner ce temps de rafraîchissement. Et c'est une étape importante si nous voulons retrouver ce qui a été perdu. Ensuite, l'autre étape, c'est de demander à Dieu d'agir. Luc 15, 20, ce jeune homme se leva et il alla vers son père. Le fait d'aller vers son père, c'est pour nous le fait de nous tenir devant Dieu et lui demander d'agir. En faisant cela, ce jeune homme met sa foi en action. Il sait et il est convaincu de l'amour de son père, de la capacité de son père à lui pardonner, à l'accepter de nouveau. Et ce jeune homme se leva, il fait sa part, il demande à Dieu d'agir. Et c'est un acte de foi qu'il fait. Et Dieu nous demande aussi de faire cet acte de foi. Et nous ne pouvons pas demander à Dieu d'agir, exiger de Dieu d'agir, si nous n'allons pas vers lui en lui demandant d'agir dans nos vies. Il y a cet exemple fort où un aveugle vient vers Jésus, et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Que veux-tu que je te fasse ? À l'époque, les aveugles, c'était des rejetés. Et ils mendiaient pour vraiment subvenir à leurs besoins. Et on voyait les aveugles venir de loin. Et Jésus, je vous rappelle, il est Dieu. Il savait que cet homme était aveugle. Et pourtant, il lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus est en train de dire comme ça, « Il faut que tu viennes et que tu formules ta demande. Il faut que tu viennes et que tu me demandes d'agir. » Et en demandant à Dieu d'agir, on abandonne complètement nos forces en disant, « Seigneur, c'est toi qui vas agir dans ma vie. » Et vraiment, dans cette étape-là, ce jeune homme a dû faire cela pour trouver et retrouver ce qui a été perdu. La Bible nous dit, « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. » C'est vraiment des promesses de Jésus pour chacun d'entre nous. Alors n'ayons pas peur de demander à Dieu d'agir, parce qu'il est capable d'intervenir dans nos vies. Ensuite, l'autre étape, c'est tout abandonner. Alors qu'il va vers son père, il dit, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Le fils prononce ces mots et il est prêt à tout abandonner pour changer de vie. Déjà, il est prêt à abandonner ses problèmes. Il est prêt aussi à abandonner son statut de fils. Quand il dit « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires », il dit « Je ne veux vraiment pas revenir sur ce que j'ai acquis, mais je veux vraiment repartir sur quelque chose de neuf. Parce que je sais, Seigneur, que si en toi j'ai à nouveau de l'espoir, tout ce qui est devant moi, ça va être quelque chose de neuf. » Et trop souvent, nous sommes arrêtés sur nos victoires passées. Trop souvent, nous sommes arrêtés sur ce que nous avons acquis. Et lorsque nous tombons, on se dit, c'est trop difficile pour nous de retrouver ce que nous avons perdu, de retrouver notre statut, de retrouver des fois aussi notre équilibre spirituel. Parce que lorsque nous chutons, nous nous coupons de tout contact avec Dieu. Et c'est important pour nous d'abandonner cela, de dire « je ne vais pas retrouver ce qui a été perdu dans ce sens-là, mais j'aspire à quelque chose de nouveau dans ma vie. » Et Dieu veut opérer quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui, il est celui qui est capable de vous donner, de faire retrouver ce qui a été perdu, mais il est capable aussi de vous faire retrouver quelque chose de neuf dans votre vie. Il est ce Dieu-là. C'est important pour nous d'abandonner cela. Et abandonner, c'est aussi abandonner aussi les masques. Ce n'est pas parce que nous étions tellement connus qu'il faut qu'on reste dans ce statut-là et qu'on se cache derrière notre masque. Parce que Dieu, lui, voit notre cœur. Dieu voit ce qui se passe à l'intérieur de nous. On ne peut rien lui cacher. Et Dieu nous demande vraiment de rejeter nos masques afin qu'il puisse agir. Et c'est vraiment important pour nous d'abandonner. Et ce n'est pas une chose facile car beaucoup de choses peuvent nous freiner. La peur de changer de vie. Malheureusement, parfois, nous avons trop une complaisance avec nos problèmes. Et si nous envisageons de changer, on a peur déjà de perdre
le peu qu'on a, en se disant, Seigneur, si j'avance là, je vais tout perdre, et je ne peux pas tout perdre, Seigneur. Mais Seigneur te dit de lui faire confiance. N'aie pas peur de changer de vie. Et il peut y avoir de la peur de ne plus avoir les rênes de nos vies aussi. La peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. La peur d'échouer à nouveau, la peur de perdre ce que l'on a acquis. Et c'est une décision radicale et lourde de conséquences pour chacun d'entre nous. Car lorsque nous choisissons de le faire, Dieu œuvre en profondeur et enlève toutes les racines de souffrance et commence une œuvre nouvelle en nous. Et lorsque nous acceptons de tout abandonner, c'est comme si on dit à Dieu, ce n'est plus par ma puissance ni par ma force, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Qu'il laisse son esprit agir au travers de nous. La dernière étape, c'est d'accepter l'amour du Père. Le texte de Luc 15, 20 dit, comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Pour que le Père le voie de loin, c'est que le Père, tous les jours, se tenait sur le chemin. Ce Père avait l'espérance que son Fils allait revenir. Et lorsqu'il voit son fils arriver, il court pour aller le rejoindre. J'aimerais vous dire qu'à l'époque, un homme âgé, c'était pour lui une honte de courir. Parce que de sa statut de chef de famille, de son statut de chef de famille, il ne pouvait pas faire cela. C'était aux jeunes de courir. Et là, ce texte nous dit que le père court à la rencontre de son fils. Et là, j'imagine notre Dieu qui est là et qui attend désespérément qu'on revienne vers lui et qu'on abandonne ce que nous avons subi. Et il est là sur ce chemin, il nous attend, il attend qu'on revienne, il attend qu'on fasse les premiers pas, il attend qu'on change dans notre cœur pour venir vers nous, pour nous embrasser, pour nous aimer à nouveau. C'est l'œuvre de Dieu. Et le Père, dans cette histoire, c'est vraiment l'image de Dieu qui nous aime, malgré nos erreurs. Si nous décidons de revenir vers lui, il nous aime. Mais il faut pour nous accepter cet amour. Et ce jeune homme est confronté à l'amour de son Père. Cet amour qui pousse son Père à l'interrompre. Alors que ce jeune homme était là, et prêt à dire à son Père, « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires », son Père l'interrompt. Et vous savez ce que son Père va lui dire ? Son père ne va pas lui parler à lui directement. Il va dire à ses serviteurs, « Emmenez un habit neuf, emmenez l'anneau. » Et son père va venir, va le revêtir à nouveau de cet habit de fils. Ce père à nouveau va venir et va lui mettre cet anneau au doigt pour lui dire, « Tu n'as pas perdu ton héritage. » Alors que toi, tu te sens sale, moi je te revais de cet habit nouveau. Et c'est l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Dieu nous revêt à nouveau de cet habit neuf. Dieu nous remet cette bague au doigt en disant, tu n'es pas une fille ou un fils qui a été rejeté. À nouveau, tu es mon enfant parce que tu décides de revenir vers moi. Et là, on est confronté à l'amour du Père. Et le Seigneur nous dit, s'il gardait le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister? Le Seigneur ne se souvient pas de nos péchés. Il nous pardonne, et nous pardonne pour de bon. Accepter son amour, c'est accepter aussi son pardon. Et là, le Père organise un festin, il tue le veau gras, et là, il se réjouit avec ses serviteurs, avec le village tout entier, pour dire que son fils qui était mort est revenu à la vie. Son fils qui était perdu a été retrouvé. Et Jésus nous dit dans ce même chapitre qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est ça la joie du Seigneur. Maintenant, face à l'amour de Dieu, nous avons une autre responsabilité pour nous qui n'avons pas chuté, nous qui n'avons pas besoin de retrouver ce que nous avons perdu. Notre responsabilité, c'est d'être des canaux de réconciliation. Alors que le père fait un festin pour son fils qui revient, le fils aîné le voit et il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Il n'est pas d'accord par rapport à l'attitude de son père envers son jeune frère. Et dans le texte, il nous dit que le père, pour parler de son jeune frère, il dit « ton fils ». Il ne dit même pas « mon frère ».
Et vous savez ce que le père va faire? Il va dire, ton frère. Le père a servi de canal de réconciliation envers le fils aîné et le fils cadet. Et là, ça nous parle à nous tous, peuple de Dieu. Lorsqu'un bien-aimé part, même s'il est au plus bas, même s'il a commis les plus abominables péchés, mais si cette personne revient de tout son cœur et que le Seigneur le revêt de cet habit neuf, nous ne devons pas le juger. Nous ne devons pas agir comme a agi le fils envers lui en le méprisant. Et là, le père, il a une attitude formidable parce que son fils aîné refuse de rentrer se réjouir dans la maison avec les autres. Et la coutume de l'époque dit que le père ne peut pas sortir pour aller rejoindre son fils qui désobéit. Le père, lui, sort. Il va rejoindre son fils aîné pour lui dire, viens avec nous, viens te réjouir. Et trop souvent, nous avons méprisé ceux qui sont revenus vers Dieu. Trop souvent, nous avons mis à l'écart, nous voyons en eux encore cet habit sale, alors que le Seigneur a mis en eux un habit neuf. Trop longtemps, on les a rejetés, on les a mis au loin, on ne les voit plus comme avant. On se dit, c'est plus mon frère, ce n'est plus ma sœur, je ne l'aime plus, je le mets à côté parce qu'il a fait quelque chose de mal. Mais en faisant cela, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu lui pardonne et donne à nouveau son amour, nous, on fait exactement le contraire. Vous vous rendez compte? Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut que nous soyons des canaux de réconciliation. Des fois, nous sommes aussi des juges d'application des peines, des fois. Des fois, nous sommes aussi des policiers qui vont emmener en prison ceux qui ont commis des crimes. Et Dieu veut que nous ne soyons pas des frères et sœurs comme cela, mais que nous soyons des frères et sœurs aimants. Il y a un texte formidable qui dit que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur les déclarations de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Et trop souvent, on s'est arrêté à ce texte en se disant, il a péché, elle a péché, donc je le traite comme un païen. Il refuse de revenir vers Dieu, je le traite comme un païen, comme un publicain. Jésus, en disant cela, il ne disait pas qu'il faut le bannir, mais il dit d'agir avec eux. Qu'est-ce qu'on fait avec les païens? Que fait-on avec les publicains? On les met de côté? On use d'amour envers eux. On leur apporte encore le message de la bonne nouvelle. On leur apporte encore le message que Jésus est celui qui est capable de le restaurer. Et trop souvent, on s'est arrêté à ce texte en se disant, je vais faire un tri, celui-là a péché, je ne veux plus le retrouver, je ne veux plus vivre avec lui, je ne veux plus le côtoyer. Et ce n'est pas ce que ce texte dit. Il nous parle de publicains, parce que les publicains étaient rejetés, étaient vraiment des parias parmi les juifs, parce qu'ils étaient comme des collaborateurs. Et vous savez que parmi les disciples de Jésus, il y avait un publicain, Matthieu, collecteur d'impôts. Jésus nous montre vraiment l'exemple qu'il est celui qui est capable de passer au-delà de nos erreurs. Si nous faisons la démarche de revenir vers lui sincèrement, comprenez? Il y a cette démarche dans notre cœur. Et tant que notre frère ou notre sœur qui a péché et qui est loin, qui ne veut pas revenir vers Dieu, ben on va user d'amour, on va user encore, on va prier pour lui, on va dire « Seigneur, agis, Seigneur, touche son cœur !» Jusqu'à ce qu'il y ait un déclic dans son cœur, jusqu'à ce qu'il revienne vers le Seigneur. J'aimerais conclure par ce verset ce matin. Psaume 103, versets 10 à 12 dit « Ne nous traite pas selon nos péchés. » Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Nous sommes tellement loin de voir, nous sommes tellement loin de comprendre la capacité de Dieu de nous pardonner, de nous aimer. Ce n'est pas Dieu qui restreint son amour, c'est nous qui restreignons notre amour. C'est nous qui restreignons l'amour de Dieu dans notre vie. C'est nous qui mettons un blocage à l'action de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vraiment prier pour chacun d'entre vous, afin que si dans ton cœur, dans ta vie, tu as subi vraiment une perte, que tu juges comme détruit, comme fini, que Dieu puisse restaurer cela dans ton cœur.
parce que nous avons affaire à un Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Est-ce que tu le crois ce matin? Ça fait peut-être des années que tu subis quelque chose. Tu es peut-être très âgé et tu te dis, mais il n'y a pas d'espoir pour moi. Dieu est capable de te donner de l'espérance. Et j'aimerais vraiment, j'ai voulu vraiment vous apporter cela parce que, vous savez, en tant que prédicateur, on veut apporter quelque chose aussi que nous avons vécu aussi. Et avec l'accord de mon épouse, j'aimerais vraiment vous parler d'une perte que nous avons subie aussi. On s'est mariés en 2014 et en 2015, on décide comme tout jeune couple d'avoir un enfant. Alors qu'on se met à rentrer dans ce projet, ma femme devient enceinte. C'était en juillet 2015. 3 semaines après, on apprend qu'elle fait une fausse couche. Là, on subit vraiment la perte. On subit vraiment ce que ce texte nous dit, la perte, la destruction, la mort. Et on se dit, waouh, Seigneur, comment on va y arriver? Et ce n'est pas facile, et je vais vous passer les détails de nos frustrations, de nos peurs, de nos larmes qui ont coulé. Presque un an arrive vers mai, on apprend qu'elle est à nouveau enceinte. On se réjouit. Et là, 2 semaines après, on apprend qu'elle a encore une perte. Et là, abattu, on se dit, Seigneur, pourquoi cela? Et à ce moment-là, on s'est mis à prier. Je me souviens, on était dans une retraite spirituelle et il y avait cette prière pour ceux qui désiraient vraiment avoir des enfants. Et on s'est positionné. On se disait qu'avec Dieu, il n'y a pas de perte. Avec Dieu, on peut retrouver ce qui a été perdu. Et alors qu'on continue notre chemin, on apprend qu'elle est enceinte. Et l'enfant reste, et c'est le joli petit motet que vous voyez avec nous. Et vous savez, en faisant les datations, on voit qu'elle est tombée enceinte à l'époque où on s'est positionné avec Dieu. À 2 ou 3 jours près, c'était cette période-là, vraiment. Et je peux vous dire que c'est vraiment un miracle. Parce qu'après une perte comme cela, ben, nos idées derrière, ce n'est pas de refaire un autre enfant. On ne sait pas comment le petit est arrivé. Vraiment, c'est un miracle de Dieu. J'aimerais vous encourager ce matin. Alors que les médecins, on est allé voir les médecins, ils nous ont dit que c'est vraiment une deuxième fausse couche. Ce n'est pas nous, dans notre idée, on s'est dit que c'est peut-être une fausse couche. Les médecins nous ont dit que c'était fini. Alors que pour nous, tout est fini, Dieu nous a montré qu'il est capable de nous donner ce qui a été perdu. Alors, sois encouragé ce matin. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation, même qui semble la plus perdue, la plus détruite, Dieu est capable de ramener la vie. Alors, on va tous fermer nos yeux. On va prier. Et j'aimerais faire un appel de votre place. Alors qu'on a nos yeux fermés, j'aimerais interpeller celui ou celle qui a été touché par cette parole ce matin. Juste te lever de ta place. Et alors que tu vas te lever de ta place, c'est un acte de foi. Comme ce jeune homme, ce fils prodigue qui avait tout perdu, qui se lève, qui revient vers son père. Alors que tu crois que tout est perdu dans ta vie, lève-toi et dis, Seigneur, je crois que la solution est en toi. J'abandonne mon orgueil. J'abandonne, Seigneur Jésus, mes capacités. Seigneur, reprends, Seigneur, de mes erreurs, Seigneur Jésus. J'accepte ce que j'ai pu faire comme erreur et je veux avancer, Jésus. Parce que je crois que tu es capable de me faire retrouver ce qui a été perdu. Si ce matin, tu veux commencer une œuvre nouvelle dans ta vie, si tu ne veux plus rester sur ce qui a été perdu dans ta vie, mais que tu veux entamer quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, lève-toi. Simplement de ta place. Ne te lève pas devant moi, je ne suis qu'un homme, mais lève-toi devant Dieu, devant celui qui est capable d'user de l'amour envers toi,
celui qui est capable de te prendre dans ses bras, celui qui est capable de te donner cet anneau à nouveau, de te revêtir de cet habit neuf. Peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu juges que tu as été trop loin avec Dieu, Dieu te dit « Je t'aime à nouveau ». Il est ce Père qui t'attend sur ce chemin, prêt à t'accueillir, prêt à te retrouver, prêt vraiment à faire une œuvre nouvelle dans ta vie. Plusieurs se sont levés, et je veux vraiment terminer encore et laisser encore l'occasion à quelqu'un de se lever. Si tu te lèves, c'est vraiment un acte de foi. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. C'est cet acte de foi que je te demande ce matin. Levons nos mains vers le ciel. Et faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Dieu. Je crois que tu es ce Dieu d'amour, que tu ne m'as pas abandonné, que tu ne me juges pas, mais que tu es prêt à m'accueillir, que tu es prêt à me restaurer. Tu es prêt, Seigneur, à me revêtir de ces vêtements nouveaux, à me mettre cet anneau au doigt, Seigneur, à me restaurer complètement dans tout mon être, Seigneur. Je crois que, Seigneur, qu'en venant vers toi, la solution pour ma vie est là. Alors agis aujourd'hui. Agis, Seigneur. Restaure ma vie. Restaure mon âme. Donne-moi, Seigneur, redonne-moi ce qui a été perdu. Afin que ma vie change du tout au tout, Seigneur. Je crois en ta parole. Je crois que tu vas le faire. Et je me confie en toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu vas opérer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Jésus, il est le Dieu de l'espérance, bien-aimé. Merci. Merci de m'avoir écouté ce matin. Que le Seigneur vous raccompagne, vous bénisse. Continuez de prier pour nous, pour notre petite famille là-bas sur Saint-Germain. Il y a beaucoup de défis. Il y a le défi aussi du déménagement aussi, qui entraîne aussi pas mal de chamboulements, de défis aussi financiers et tout. Et que le Seigneur puisse nous aider, nous accompagner encore. Merci pour cette bénédiction que vous avez été chacun de nous pour nous. Merci encore pour vos prières. Et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.